Marc-Olivier Strauss-Kahn, vous êtes conseiller spécial du gouverneur. Vous avez organisé cette Nuit des idées à la Banque de France. Alors pourquoi retenir le thème de l'avenir de la monnaie pour cette première participation d'une banque centrale à la Nuit des idées? Alors, la Banque de France innove. Elle participe, et c'est la première banque centrale à participer à la Nuit des idées. La Nuit des idées avait choisi comme très beau thème l'imagination au pouvoir. Et la Banque de France a décidé de débattre avec des experts très différents sur le sujet de l'avenir de la monnaie. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est le fruit de l'imagination et c'est perçu comme un instrument de pouvoir. La Banque de France estime que c'est dans sa mission que de faire de l'éducation économique et financière, et c'est donc un lieu symbolique parfait pour pouvoir accueillir des débats sur ce sujet. La monnaie, en effet, est sans arrêt affectée par des innovations, et en même temps, elle est fondée sur la confiance. Donc il faut trouver à la fois un équilibre entre la confiance et les innovations qui ne doivent pas l'entamer. Ça peut s'appliquer aussi bien aux monnaies comme les billets, dont la technologie peut être très pointue et dont la demande ne faiblit pas, qu'au scriptural, à ce qu'on appelle le digital. On a parlé aussi des monnaies locales complémentaires. Et puis, on a fait valoir le fait que, quel que soit le type de monnaie et les innovations, il fallait bien surveiller les risques et satisfaire le besoin de régulation au niveau mondial qui pouvait être nécessaire. S'il fallait retenir arbitrairement de cette soirée une idée forte, quelle idée forte retenir? Par définition, dans la nuit des idées, c'est impossible de retenir une idée forte. Il y en a eu tellement qui ont été exprimées, même si c'était une nuit de banquier central, parce qu'on a parlé entre 7h30 et 10h du soir. Cela dit, si je devais mettre en avant un élément, c'est l'intervention surprise de Cédric Villani, qui nous a fait le plaisir de venir en impromptu et qui a fait le lien avec les réflexions qu'il a sur l'intelligence artificielle et qui a insisté beaucoup sur le souci plus général que toutes les technologies peuvent avoir un impact environnemental important. Il y a un coût derrière, notamment dans le cas d'une technologie, le blockchain, qui peut être très utile, mais si elle est utilisée pour simplement enrichir certains par une spéculation, c'est purement stérile. Et là, le coût d'un bitcoin pour le produire, c'est extrêmement élevé.